Nous avons sécurité, nous avons stabilité dans ce pays-là. Mais si dans le policier, l'autorité n'a pas vous donné plus moyens, plus effectifs. Oui, imaginons, instaurer la police comme à Maïbourg, 45 000 du monde, 5 policiers qui peuvent travailler, un travail le comptoir, un lève téléphone, un chauffeur, des policiers là, dis-moi, qui ne peut pas faire 45 000 du monde qui les mis à contrôler. Et c'est tout, quand on fait une bonne request, et un bon incident, les deux policiers là, les 35-40 du monde, la guerre, nous posons la question, est-ce que les policiers là, pour capable de nos sécurités, tous les jours, nous payons être à cas, nous angoissés, nous stressés de nous la carte. On est tous deux très émus et on remercie tous les gens qui ont participé à cette cause aujourd'hui. On espère que voilà que le message est passé, que le public prendra conscience de ce que c'est d'être un policier, le grand Maurice. C'est un métier à risque et voilà, c'est vraiment avoir du respect pour ces gens-là, pour ce qu'ils font pour nous. Et par ailleurs, qu'on n'oublie pas les mémoires de, justement, des policiers qui sont morts en service, autant notre père que les autres membres de la police qui sont morts en service. Tatiana, toi, tu te lances dans ce métier-là. Qui me pousse, toi, pour faire ce métier-là? En fait, c'est plus pour la mémoire de mon papa. C'est un travail noble et mon papa, s'il adore, on a envie de reprendre le flambeau. Mais c'est sûr qu'il me triste qu'il ne me voit pas là. Mais vous pensez qui? La côte qui était, les bizarres bien, les bizarres heureux. C'est toi, pas bizarre fier de toi, voilà. Bon, qui pousse la famille Daoga et la famille policière pour faire sa manifestation pacifique là, c'est qui, ça interpelle nous, qui c'est un collègue, le défunt constable Daoga, qui a perdu sur la vie brutalement. Quand les peut faire ce travail comme un policier dévoué et honnête. Il ne faut pas oublier que dans le passé, il y a la mort du constable Bissou et aussi du constable Boulatou et aussi du constable Nelzir. Si nous ne faisons pas une manifestation pour conscientiser la population et aussi l'autorité contre les problèmes, contre les risques que les policiers peuvent faire face, alors nous retrouvons notre encore avec les policiers qui peuvent décider en fonction. Qui nous d'accord, nous aide dans une insécurité, mais qui en retour donne-nous la considération voulue qui vient, donne-nous le respect qui vient, pas agresse nous qui verbalement, qui physiquement, et nous faisons notre sécurité pour qu'en retour nous gardions notre sécurité. On a dit qu'il faisait un syndicat dans la police, donc qui fait ça besoin. Définitivement, nous sommes travailleurs pareil comme tout le monde. Dans la Maurice, tout travailleur est un syndicat pour eux même pour défendre notre intérêt, quand on a une bargaining power, un collective bargaining power, pour qu'on dire à l'autorité qu'ils ont de considération. Mais nous, policiers, nous payons un syndicat. Mais nous, ça, c'est vraiment drôle qui fait nous payer un syndicat. Moi, je ne peux pas donner un syndicat parce que la force policière, elle a servi la force policière, comment elle a envie, elle a bon échange, faire bon policier, faire bon travail, équipe à bizin, nous tout connaissons un peu. Mais nous disons comme ça, nous pas pour demander la grève, nous demandons seulement de nous ce forum-là, qui nous, policiers, qui nous aimons avant tout, pour nous capables de dire qu'il faut et qui bon problème nous peut faire face, pour ce qui nous aussi, nous capables. Donne la population un bon service efficace, approprié et efficient.